Bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien du blog courir-et-bien-être.com. Pour ceux qui me suivent, vous savez que tous les jours je fais des défis sportifs. Si vous souhaitez les suivre de plus près, n'hésitez pas à vous abonner parce que comme ça, ça va vous permettre de les avoir en temps réel tous les jours. Le défi d'aujourd'hui, le lever de genou. Alors le lever de genou, c'est pas simplement sauter avec le lever de genou. Non, non, on va rajouter une petite difficulté qui va forcément vous obliger à lever les genoux bien plus haut. Le défi de genoux avec les mains à l'équerre sur 30 secondes. Allez, c'est parti. On tape les genoux sur les mains. Donc ça nous force à lever les genoux bien plus haut sur une durée un peu plus longue puisqu'ils montent un peu plus haut. Franchement, ça bosse. Hein. Pas évident. Hein. Donc bien sûr, chaque jour, je vous propose un exercice à faire. À vous de les combiner, de les cumuler. C'est vraiment un condensé des meilleurs exercices à faire pour progresser en course à pied et perdre du poids, vous affiner, vous rendre plus fort, se sentir bien, se vider la tête. Tout ça, c'est en mode confinement, c'est vraiment super important de faire de l'exercice à la maison. Si toi aussi tu as des exercices à me proposer, n'hésite pas. Je serais très intéressé de prendre tes défis, de les mettre en application et de les partager avec les autres pour pouvoir progresser tous ensemble. Allez, à toi de jouer !